Depuis le début de sa grossesse, Abla Togolaise, sans grands moyens financiers, se fait prendre en charge au centre de santé La Bénédiction situé à Niamasigan, quartier périphérique de Lomé. Grâce au soutien de l'association congolaise Liboké, elle n'a plus de difficultés à payer les frais de consultation prénatale. Ma grossesse est pratiquement arrivée à terme. J'ai mal à la hanche et au bas-ventre, mais je vais bien. Au début de ma grossesse, nous prenions nous-mêmes les frais en charge. Puis, à un moment donné, l'association Liboké m'a tendu la main. Elle assure jusqu'ici tous les frais. À quelques heures de son accouchement, elle reçoit une nouvelle visite du représentant de Liboké au Togo. Association Liboké. Liboké est en partenariat avec Jeunes en Action sans frontières au Togo, JASF Togo, pour aider les femmes enceintes à accoucher sans aucune difficulté. Agbeko Abla est la première femme enceinte qui bénéficie gratuitement des soins grâce à l'association. À minuit dépassé de quelques minutes, Abla accouche d'un garçon. Elle a déjà un prénom en tête, Godwin. Je tiens à remercier l'association Liboké pour avoir pris soin de moi depuis le début de la grossesse. Que Dieu les accompagne et les fortifie à faire davantage pour d'autres femmes enceintes qui sont dans le besoin. Je remercie l'association Liboké qui a vivement pensé au Togo d'avoir aidé les mamans qui sont dans les besoins. Première bénéficiaire, Abla ne sera pas la dernière. D'autres femmes enceintes seront également prises en charge après cette première expérience, suivie de près par Eulikia. C'est un système de traçage basé en France qui s'assure que les bénéficiaires soient effectivement aidés. Outre le domaine de la santé, Liboké et JASF Togo travaillent pour le bien-être des femmes et des enfants, que ce soit au niveau des activités génératrices de revenus, l'éducation et l'environnement. Abla, sa sœur et Godwin regagnent leur domicile sains et saufs. Le clic.